Salut les gens, et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement, également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif, et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour avec un jeu de cartes et surtout un élastique. Et on va faire une sorte d'évasion comme le faisait à l'époque Harry Houdini. Pour ce faire, on demande à un spectateur de nous dire stop. Imaginons stop ici, il prend connaissance de la carte. Imaginons ici le 5 de trèfle, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre la carte et la placer vraiment nettement quelque part dans le milieu. Et pour éviter de manipuler, on va mettre un élastique autour du jeu, comme ceci. Comme ça, on est sûr que la carte ne peut pas sortir. Alors vraiment, je fais ça le plus nettement possible. Voilà, je l'enfonce doucement, hein, vraiment. Voilà, tout doucement. Hop, voilà, nickel. Donc là, vraiment, la carte est quelque part dans le milieu. Et pourtant, si on fait juste un petit geste magique, juste comme ceci, regardez bien. Pouf, une carte sort complètement. Donc le jeu, bien sûr, est toujours fermé, on va dire, par l'élastique. Et pourtant, la seule carte qui s'est évadée, c'est bien le 5 de trèfle, tel Harry Houdini.